Alors, coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les petits anges éclairs. On va faire les énergies de la semaine, vu que vous avez envie que je fasse les énergies de la semaine, même si la semaine est déjà bien entamée, n'est-ce pas? On est d'ailleurs le combien? C'est une bonne question. 11, 12, 13. On est le 13 aujourd'hui. Voilà. Donc, on va faire la semaine. 13, 14, 15, 16, 17. La semaine du 13 au 17. Voilà. On va faire cette semaine, quoi. Voilà. On va voir les énergies de cette semaine. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine? Du coup, du 13 au 17, quoi. Alors, au niveau des énergies générales, avec l'oracle de Gaïa, pour la semaine du 13 au 17 octobre, là, pour les jours qui restent, à tous mes êtres de lumière, mes anges... J'ai fait les tirages sentimentaux, ils sont en cours d'export. Hein. Quel est le message? Ouh, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Perception, derrière le voile de l'illusion. Ouh, ça me parle d'intuition, ça me parle d'ouvrir ses canaux, ça me parle vraiment de médiumnité, voilà. De quoi ça me parle d'autre? Ça me parle, cette semaine, on va aller purifier peut-être des émotions, vous voyez. Et quelque chose de l'ordre de la purification. C'est peut-être quelque chose qui nous rend triste, mais qui au final nous libère. Donc, c'est peut-être pas plus mal. On va aller voir l'ange qui nous suit cette semaine. Puis après, on ira voir avec l'oracle des animaux ce qu'on nous dit. Puis on ira faire notre petit tirage, mes petits loulous. Alors, quel est l'ange qui nous suit cette semaine? Ben, il est au taquet. Waouh, l'ange de la gratitude. Bon, y a moyen de remercier des personnes là cette semaine. Alors, même si ces personnes nous ont fait souffrir, même si, je sais pas, je pense par exemple à un couple, voilà. On s'aime, on a envie de se mettre ensemble. Puis, ben, au final, ça ne se fait pas pour X ou Y raison. On se sent peut-être trahi, blessé sur le coup, ça nous fait de la peine. Mais au final, on va quand même dire merci à l'autre. Parce que ça va aller mettre en évidence peut-être une dépendance affective ou peut-être une façon de fonctionner qui est tout le temps la même. Vous voyez, il y a cette notion de prendre du recul et de nettoyer pour ne pas réagir pareil la prochaine fois. L'ange du réconfort, oui. Ouais. C'est pas forcément une semaine où on est pompé d'up, là. Hein. C'est une semaine raide, alors les énergies bougent énormément en ce moment, donc c'est compliqué, on le sent, on passe de la joie à la colère, enfin je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi je suis complètement... Déjà, il ne faut pas me faire chier, hein. Ce mois-ci, là, c'est juste deux semaines, ce mois-ci, c'est comme... Il vaut mieux filer dans mon sens, voilà. J'ai pas de patience, hein. Et des gros coups de barre... Des fois, on est limite lipotimique, quoi, vous voyez. Bon, c'est au niveau énergétique, hein, c'est ambiant, parce que je demande quand même, voilà, à mon entourage, si c'est un peu pareil, vous voyez, à cette notion d'acceptation. J'ai l'impression qu'il y a une situation, là, qui a... il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Une entreprise, une association, une... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on veut cette semaine, ou... Alors, voilà, on va accepter et on va limite remercier parce que ça va nous permettre de nous transcender et d'ouvrir à autre chose. Voilà, j'ai la tradition. Peut-être quelqu'un qui est... Le courage, peut-être quelqu'un qui a manqué de courage ou qui veut suivre une lignée directrice bien, bien organisée, bien prédéfinie. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre pour cette semaine. Cette semaine qui reste. Je vous ferai les tirages de la semaine, du coup, si ça vous va comme ça. Comme ça, on peut faire les énergies du jour, si ça vous dit. Mais rapidos, quoi, voyez. On se tire quelques cartes pour aller scinder. Bah, aujourd'hui, on est dans cette énergie-là, quoi, dans cette vibes, voyez. Je vais avoir le temps maintenant, je vais plus avoir de boulot. Alors, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers, mon multivers à la source. Quels sont les messages pour la semaine du 13 au 7 octobre? Ah, vous voyez le diable. Ouais, ben on est en plein dedans en ce moment, le diable. La manipulation mentale, la fourberie. On essaye de vous mettre des idées dans la tête, de vous faire croire qu'on vous tient comme un pantin, comme ça, on voit bien le pantin, hein, sur la carte du diable. C'est vraiment la manipulation mentale. Hein.
Ça, c'est le pervers narcissique, c'est le menteur, le dupeur, on vous tient comme ça, on vous fait croire. Ça peut être votre propre mental qui vous manipule. Hein. Alors, peut-être que vous sortez d'une situation avec une personne comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore là ? L'as de pentacle. Bon, on va pouvoir aller vers quelque chose de différent là, cette semaine. On va se concentrer sur son pro pour aller vraiment mettre en terre un projet qui nous tient à cœur. J'ai l'impression qu'on a notre mental qui essaye de nous bloquer ou des personnes de notre entourage qui essayent de nous bloquer. On essaye de nous mettre des bâtons dans les roues un petit peu. Là, ça ne va pas être évident. Pourtant, on va pouvoir faire fructifier nos deniers, nos petits sous-sous. Ça va bien, on vous dit que ça va aller. J'ai l'impression que ça suit aussi beaucoup les intuitions. Non, j'en ai beaucoup trop. Là, si, ça... Ah ouais, il y a un 3 d'épée. Hein. On est remis toujours à une trahison, à des blessures de cœur. Il y a plusieurs choses là qui se mélangent. On a le côté manipulation, on a le côté... ouais, c'est ça. Ouais. Je vous dis, ça bouscule au niveau énergétique. Ça part un peu dans tous les sens. Alors cette semaine, elle ne fait pas défaut. Ouais. On est bien dedans. Excusez-moi, je cours après mes cartes. Regardez là. On a le 3 de bâton. Attendez, j'ai décalé mes cartes. Vous n'y voyez rien là en fait. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes-là ? On nous dit que cette semaine va y avoir de la manipulation, peut-être des schémas de pensée bloquants, des personnes qui vont essayer de nous bloquer, de nous manipuler, de nous faire douter de nous, des personnes ou nous-mêmes, hein, ça peut se passer à l'intérieur de nous, ou un entourage, peu importe, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de manipuler l'autre, de faire fermer les yeux à l'autre, voilà. Nous, on va vers un nouveau projet pro, on va vouloir ancrer quelque chose dans la matière. J'ai toujours les mains pleines de noir, de couleurs... voilà, je dessine beaucoup et avec mon fils, voilà, des fois, on fait plein de bazar. Donc, c'est pas que je me lave pas. Hein. C'est que là, pour le coup, j'ai récupéré du stylo bille et je m'en suis foutue de partout et ça part pas. Bref, vive mon enfant. Là, on va aller mettre dans la matière quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On va aller planter ça en terre. On vous dit que ça va être très bénéfique. Hein, donc, il ne faut pas vous écouter, il ne faut pas écouter les autres. Parallèlement à ça, on a des blessures de cœur. On est dans un 3 d'épée. On se sent trahi, blessé, dupé. Peut-être qu'on va avoir écouté les autres. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, on a envie de partir, d'aller voir ailleurs, d'aller voir quelque chose d'autre, de prendre de la distance peut-être avec une personne qui vous aurait fait du mal, mais qui au final, vous allez finir par remercier parce qu'elle vous aide à accepter, à pardonner et puis vous, à vous élever vers quelque chose d'autre. Ouais, le 7 d'épée. Soit vous vous êtes trompé dans un couple de personnes ou quoi que ce soit là, soit on vous a trompé, on vous a dupé, vous avez du mal à faire un choix pour certains. Pour certains, il faut vraiment choisir. Voilà, il y a un homme qui vous aime, qui est sincère. Vous avez envie d'aller dans un nouveau départ avec lui, mais vous gardez ça pour vous, pour certains. N'allez pas le crier sur tous les toits. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur le diable ? Oui, bah là, oui. Vous allez faire une introspection, le 8 de coupe. Alors ça, c'est très bien de faire une introspection sur le diable. Vous n'allez pas écouter ce que vous disent les autres et puis vous allez aller vous écouter vous, quoi, en fait. Hein. Sur l'as de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, regardez, vous allez avoir des projets qui vont fructifier, ça va être très bien, ces petits projets. On va vers quelque chose de très productif, entrer dans la matière. Regardez, vous y allez vers ce nouveau départ ce mois-ci. Hein. On a vraiment envie d'un nouveau départ ce mois-ci, hein, cette semaine. Hein. On a envie d'aller vers quelque chose de totalement différent, de partir à l'aventure. Hein. Beaucoup besoin de s'aligner, de se réaligner sur soi, voyez. Ouais, y a une histoire d'amour qui vous prend la tête, là, pour certains. Alors, soit c'est des blessures d'âme, soit c'est une sensibilité au niveau du cœur par rapport à voilà, des choses extérieures qui pourraient vous blesser. Soit c'est vraiment l'insomnie, la tristesse, le fait que ce soit dans la tête. Là, il y a quelque chose, une histoire de cœur qui est dans la tête et qui vous fait souffrir. Vous vous réalignez sur vous. Face aux manipulations. Donc ça, c'est très bien parce que quand on se réaligne sur nous et qu'on prend le temps, bon, on a besoin de jongler avec des situations. On est dans une situation pas très stable parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. On est poussé à aller vers un nouveau départ.
Regardez, on nous parle de tromperie, de duperie, de vol. Vous voyez, quelqu'un qui nous a trompé, trahi, dupé. Voilà, donc on va acter autre chose dans la matière là. Et nous, on va se concentrer sur le projet, l'impression. Il y a un peu une dualité entre notre cœur et notre tête. On va être très productif, beaucoup travailler, être dans l'indifférence au niveau émotionnel parce qu'on a besoin de trouver ce nouveau projet là, vous voyez. On ne va pas trop savoir comment l'agencer, le mettre en place, mais n'empêche que ça va nous équilibrer de l'intérieur. On va être juste envers nous-mêmes, vraiment. Et alors ça, c'est important. Cette justesse qu'on peut avoir pour soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là, pour cette semaine? Vous voyez? J'ai la justice divine, les trompettes de la justice divine qui sonnent. On va remettre de l'ordre dans notre tête, on va remettre de l'ordre dans notre cœur, et ça va remettre... On va remettre de l'ordre dans notre cœur, et ça va remettre de l'ordre dans notre tête, cette semaine. Voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui va se passer. Au niveau pro, là, vous êtes en pleine transformation. Bon, c'est pro ou autre, mais en tout cas, il y a un nouveau projet. On est en pleine transformation, on est en pleine transmutation, on transmute les énergies, on se sert des énergies. On va vers un nouveau job, quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur. C'est cool. C'est quand même des bonnes énergies. Alors, on va prendre celle-là parce qu'elle voulait venir. On vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour un nouveau départ, vraiment. Ouais, on vous dit que c'est aussi une nécessité, ce nouveau départ. Je vais vous la mettre là, la nécessité. Vous l'avez vu. Hein. C'est la nécessité de prendre cette clé pour un nouveau départ. C'était nécessaire que vous alliez vers quelque chose de différent, vers un nouveau travail, quelque chose qui vibre plus pour vous. Il y a des choses qui ne vibraient pas. Ah, la foudre. Bon, alors là, clairement, il y a un événement extérieur qui va venir s'effondrer votre monde intérieur. Peut-être votre petit cœur, qui va peut-être vous briser votre petit cœur et vous mettre tout triste, tout mal, tout pas bien. Bon, mais n'oubliez pas, un joyau dans une larve, renaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous avez peut-être besoin de passer par là pour vous retrouver, vous comprenez? Épurer ces émotions et vous reconnecter à vos émotions et aller vers quelque chose d'autre. Une fois que c'est épuré, que c'est nettoyé, on va vers quelque chose de mieux. Regardez, vous allez vers l'abondance, la richesse. Même si pour l'instant, on jongle un peu entre les situations cette semaine. Il va y avoir des choses qu'on va apprendre là. On va apprendre certaines choses. On va aller prendre une carte conseil. Et on va la prendre avec quoi, la carte conseil, justement? Hein? Oh, bah tiens, l'oracle à haute vibration. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas pris. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle haute vibration? Quelle est la carte conseil pour cette semaine? Tous les êtres de lumière, ça ne l'apprend là. La foi, super, bon. Dieu m'a donné la foi. Fais le vide, j'ai l'impression qu'elle est importante celle-là aussi, donc je vais vous la mettre. Si elle était en dos de deck, c'est pas pour moi. On vous dit de faire le vide. Besoin de nouveauté pour certains, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On vous dit qu'il risque d'avoir des manipulations, des personnes qui vont essayer de vous faire douter, votre esprit qui va essayer de vous faire douter de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Sur ce, vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, pour aller sonder ce que vous voulez vraiment et pour trouver ce qui est juste pour vous remettre les choses dans l'ordre et pour fonctionner dans le sens de votre âme. Vous allez pouvoir planter en terre un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui émerge, qui va être très productif. Vous allez être vraiment ancré ça. Ça va pouvoir faire des bébés, faire de l'argent, être productif, vous faire vibrer de l'intérieur, vous réancrer aussi, vous voyez, cette notion d'intégrité, de monnaie aussi, de matérialité et puis d'ancrage, vraiment un gros ancrage pour vous. On vous dit que vous êtes en pleine transformation. Vous reprenez un petit peu votre puissance là au cours de cette semaine. Le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que vers le milieu de la semaine, là, on va aller être dans l'écoute de nos intuitions et allier le pro et nos intuitions. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressors. Et puis du coup, ça va être très productif. On part à l'aventure, vous allez vers un nouveau départ, quelque chose de différent, vous partez à l'aventure, vous sautez, vous ne savez pas où ni comment, mais vous savez qu'il faut y aller et vous y allez. On vous dit que c'est une nécessité, et oui, il faut y aller, on vous le confirme. Et seul vous avez la clé. J'ai l'impression que la clé, ça va être de mettre un pied devant l'autre, de sauter de la falaise et de voir où vous atterrissez.
C'est une façon de parler. Elle n'est pas sautée d'une falaise en vrai. Hein. On est bien d'accord. Hein. Non, mais parce que bah, c'est une image, hein, une figure. Hein. Je le précise quand même. On ne sait jamais des fois qu'il y en ait qui est l'idée d'aller au pied d'une falaise et de se dire « Wouhou, Superman, ça va me retenir !» Non. On est... Le monde est magique, mais on s'est encore pas volé, les gars. Voilà, doucement. On y vient, doucement. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Peut-être une petite rupture de cœur, trahison. Ça peut être une tromperie, hein, une personne qui vous trompe, qui vous trahit. Cette notion d'avoir mal au cœur, vraiment, d'être blessé, vous voyez. Voilà, on est blessé, on n'est pas comme dans un 3 de coupe. Hein. Un 3 d'épée, on nous a brisé le cœur, quoi, vraiment. Ça nous prend la tête. Il y a une histoire d'amour ou de blessure du passé, d'ex ou autre qui vous prend la tête, là. Ça vous empêche de dormir, vous êtes dans le mental, ça n'arrête pas de tourner. On vous dit que c'est normal. C'est un coup de l'univers pour vous faire sortir de votre zone de confort, sortir de votre mode de fonctionnement, aller vers autre chose. Et c'est ce que vous faites. Vous entreprenez un voyage, là, vous décidez d'aller vers quelque chose de différent. Vous acceptez d'avoir été trompé, trahi, d'avoir été mal, d'avoir été blessé. Et même, on en vient cette semaine à être dans la gratitude. À remercier la personne qui vous a fait subir ça parce que ça vous a permis d'apprendre beaucoup sur vous, voyez, et du coup de vous reconnecter à votre foi un peu intérieure, voilà. Vraiment de vous reconnecter à cette foi et d'attendre vraiment, voilà, de prendre le temps que ce que vous avez mis en place là, ça prenne et ça fasse des bébés et puis que vous alliez vers la bonne personne, le bon travail, etc. On vous dit que vous y allez vers cette abondance, même s'il va falloir jongler un petit peu entre les deux. On vous conseille de faire le vide. Vraiment, ça revient au 8 de coupe, ça revient vraiment à se recentrer, se refocaliser sur soi. Il faut vraiment sortir d'un mental. Alors, quels sont les messages des petits anges, là ? Ça fait un moment qu'on n'a pas pris nos petits anges, là. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits anges, pour cette semaine ? Tiens, ben, décidément, j'en fais beaucoup, non ? Celle-là et celle-là. Ok. Je vais prendre toutes là. Ok. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est exactement ce que je ressens avec cette carte. Ouais. La visualisation aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est tombé ? Bon, la gratitude, hein, on l'a vu, on va le mettre sur la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Et oui, bien sûr, si on remercie déjà pour ce qu'on a, enfin, vous voyez, ça remet aussi dans des bonnes énergies. L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Apparemment, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Regardez, on va le mettre sur la petite larmounette, là, la petite tristounette, voyez ? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, elle se reconnecte à ses émotions, donc à sa créativité, donc elle va vers quelque chose de beaucoup plus productif, dans l'abondance, etc., voyez ? L'anxiété, nous t'entourons de la lumière de la guérison de la métisse, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette, sans ton anxiété s'envoler. Si tu n'as rien à craindre, ici il n'y a que amour. Je vais vous le mettre là, sur le 3 d'épée. Parce que Bichette, j'ai l'impression qu'elle a bien besoin des anges là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah tiens, l'aventure et la guérison, ça m'étonne même pas. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Le mat, une nouvelle aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est vraiment, vraiment ça. Et là, en fait, là, on est dans l'acceptation. On accepte d'aller vers une nouvelle aventure, quoi. La guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà. Bon, bah, forcément, on a l'ange de la guérison qui est avec nous parce qu'on a été trahi, trompé, dupé. Donc, on ne va pas nous laisser un peu en galère comme ça. Voilà quoi, forcément. Je vais prendre un dernier message avec mon oracle. Tiens, bon bah, au final, il parle bien quoi. J'ai l'abondance sur l'abondance. Voilà vers quoi vous allez. Encore une fois, vous allez vers l'abondance quoi. D'accord ? Bon. Et la joie, hein. Il y a de la joie. Bonjour chez toi, bonjour chez moi. Il y a de la joie. Ok, bon, bah, c'est plutôt pas mal ce vers quoi on va.
On est quoi? On est à 20 minutes. On peut faire une petite ligne. Là, on va enlever ça, puis on va faire une petite ligne sentimentale. On va aller voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour cette semaine. Et puis comme ça, vous aurez un petit tirage de la semaine complet. J'avoue que je ne me suis pas pressée. J'ai pris mon temps aussi. Je peux le faire plus rapide, mais c'est bien aussi de prendre son temps des fois. Je fais beaucoup de tirages aujourd'hui. Prudence. Oui, vous allez être prudent. Peut-être peur qu'une personne vous manipule, même au niveau sentimental. Hein. Ça peut être au niveau affectif hein, qu'on essaye de vous manipuler. Hein. Qu'est-ce que vous... Ah, la sincérité. Vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'une personne autour de vous est sincère? Là, je n'ai pas l'impression que ce soit vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui doit poser un masque, là, autour de vous. Cette semaine. Il y a une personne qui doit se dévoiler, là. Ouais, vous voyez, il y a eu des trahisons. Ça recoupe notre cœur. Hein. Je vous avais dit que c'est au niveau du cœur. Hein. Ouais, il y a des trahisons. Hein. Là, il y a ouais, quelque chose qui est cassé. Quelqu'un qui n'a pas été honnête. Vous allez essayer d'être un peu souple, un peu plus souple. D'être compréhensif, mais j'ai l'impression que ça va quand même... Ou compréhensif, mais j'ai l'impression que ça va quand même ouais, bien vous blesser. Ouais. C'est quelque chose qui va durer. Hein. C'est quelque chose qui va durer. Ça va prendre du temps à nettoyer. En dès que j'ai la solitude, ouais, vous allez vous sentir seul dans une situation. Je vous mets à côté de la trahison. On va quand même faire une autre ligne, là, parce que vous savez que j'aime pas trop vous laisser comme ça, là, sur du... ouais. Cette semaine, ça va être un peu pourri au niveau sentimental. Mmh. Ouais. On va quand même réussir à remettre un peu d'énergie positive sur tout ça. Pas d'emblée, hein, pas direct. C'est bon, il m'arrive rien de mal. Hein. Ouais. Il y a une histoire de sexualité, hein, peut-être de triangulaire. Hein. Peut-être un homme qui allait voir ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Peut-être un homme qui allait voir ailleurs. Ou, bon, vous voyez. Soit vous êtes un homme et vous avez été trahi, soit vous êtes une femme et il y a un homme qui vous trahit, hein, clairement. À moins que vous soyez une femme de polarité masculine et vous trahissez quelqu'un. Ça, c'est aussi possible. Bon. Ouais. Il y a la peur. Vous avez peur de vous assouplir. Ouais. Ça va mettre du temps avant de retrouver une stabilité au niveau d'un foyer, d'une famille. Mais vous allez y arriver pour moi. Oui. Vous allez, voyez, vous allez retrouver de la légèreté. Hein. Vous allez retrouver de la légèreté. Ouais, les amis, la patience avant un engagement qui arrive. Ouais, une notion de trahison. Alors après, ça peut être des fois des petites trahisons, vous voyez. Il ne vous a pas dit qu'il allait voir ses potes ce soir-là. J'en sais rien, quoi. C'est pas forcément tout le temps la trahison de l'année. Waouh, il m'a trompé. Bon. N'empêche, il y a quand même cette notion de trahison, quoi. Qui est sincère, d'être prudent. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous avez peur aussi de cette trahison. Hein. Donc une peur de repartir en couple parce que peur d'être trahi, peur de souffrir, peur qu'on vous blesse, peur qu'on vous trompe, peur que... Je comprends. Voilà. Ok, d'accord. Bah voilà mes petits loulous pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Bah n'hésitez pas, comme d'hab. Partagez, likez, vous abonnez. Mettre des pouces, sinon je vous fais la danse du pouce avec mes pouces tout pourris, tout plein de stylos. Regardez qu'on dirait que je me suis pas lavé. Ça fait dégueulasse. Ok, voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve demain. Je vous fais les tirages sentimentaux flammes jumelles, mes loulous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.